vous allez cracher du sang. Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour. La guerre contre le pauvre. Après ça, leur calcul, c'est l'ubérisation généralisée. Vous en avez eu un avant-goût dans la loi El Khomri. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut arrêter de regarder la pointe de vos chaussures quand ils vous engueulent. Comment ça marche? Comment ça marche, leur modèle? Vous l'avez sous les yeux. Premièrement, le fond du fond, le point de départ et le point d'arrivée, c'est la surexploitation du travail. Parce que seul le travail humain et la nature produisent de la richesse, pas le capital. Jamais. C'est le travail humain qui crée la richesse. Quand vous allez au boulot et que vous faites 10 heures de travail, personne ne vous donne les 10 heures de la valeur de ce que vous avez réalisé. C'est le contraire. Une bonne partie de ce que vous avez réalisé est gratuitement appropriée. Donc leur système au point de départ, c'est ça. Comment surexploiter et exploiter davantage encore le travail? Quelle est la résistance? Quelle est la limite à l'exploitation? La résistance à l'exploitation. Car nous n'avons pas toujours connu les mêmes rapports de force dans le passé. On ne s'est pas partagé la richesse de la même manière au cours des 30 dernières années. Savez-vous que 10 points de la valeur produite sont passés des poches du travail à celles du capital entre 1982 et maintenant? 196 milliards par an! Voilà ce qui a été pris! Et vous autres, la jeune génération, vous avez un monde entièrement neuf devant vous. Celui que j'ai connu, celui que vos parents et grands-parents ont connu, est en train de disparaître et il ne reviendra jamais, parce que nous avons tout transformé et que certains points sont irréversibles. Ce monde vous appartient. Il faut vous en emparer. Il faut vous en saisir. Il faut le rendre plus beau. Notre proposition, c'est de faire déborder la rivière, c'est de faire sa fête à Macron, c'est de poser une date, dès ce soir. On propose, c'est le samedi 5 mai. C'est de nous tous que tout cela dépend. C'est le peuple qui fait l'histoire. C'est vous. Alors il faut la faire. Allez les gens, courage.